Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tuto donc de ce petit album, de ce petit nécessaire à écrire. Alors on va pas faire tout à fait le même que celui-ci, mais en tout cas on va faire un équivalent. Donc pour ça, on va avoir besoin donc d'un morceau de tissu. Alors, je ne vous cache pas que je me suis avancée, j'ai déjà commencé à préparer pas mal de choses. Donc, un morceau de tissu à la dimension donc de notre cartonnette. Moi, je vais récupérer, comme pour le premier, je vais utiliser ceci. Mais bien évidemment, vous utilisez ce que vous voulez aux dimensions que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le faire en cartonnette un peu plus fine. Moi, j'avais ça et je voulais à tout prix utiliser ça. Et ensuite, donc, il nous faut deux grandes feuilles de papier 30-30 dans les couleurs que vous souhaitez. Alors, pour commencer, on va donc coller ça sur... La cartonnette. Oups, je suis en train de tout casser. Donc, je prends ma colle à tissu. Un pinceau. Je coupe les coins, alors pas trop au bord hein, pour garder quand même de beaux angles. Voilà, la couverture, c'est ok. On va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, donc je vous rappelle, enfin je vous rappelle, non, je vous le dis d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit. Mon support, il fait donc 16,5 en hauteur, 13 et 5 de tranche. Ce qui nous fait donc 26, il nous fait 31 en longueur, 31 par 16,5. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez en dimension avec la cartonnette que vous avez, bien sûr. Donc, toutes les dimensions que je vais vous donner par la suite, elles me correspondent évidemment, enfin, elles correspondent en tout cas à ma dimension donc de couverture. Mais après, vous pouvez évidemment faire à la dimension que vous souhaitez. Il faudra juste que vous adaptiez. Donc, moi, j'ai découpé un morceau de 30,5 par 16 que je vais évidemment coller à l'intérieur ici. Et ensuite, on va passer au collage de pochette. Alors là, je vais juste prendre de la colle. Alors là, je prends une autre colle, hein. Je ne prends pas de la colle pour tissu. Et comme il m'en reste un petit peu au fond, ça va
me permettre d'adhérer un peu à l'autre. Pourquoi j'étale? D'habitude, je ne fais pas forcément ça, mais là, j'en profite parce que j'ai le pinceau d'une part, et puis parce que du coup, je vous rappelle que c'est quand même du tissu et qu'il faut vraiment que ça colle, hein, que le papier vienne vraiment coller sur le tissu. Et donc, ça évitera d'avoir trop de marques. Alors là, par contre, je vais commencer à coller un côté. J'insiste bien sûr sur le pli. Sur le deuxième, il faut que j'ai pas plié correctement. Voilà, là j'ai bien plié. Ah, je suis un petit peu décalée là. Je me suis un peu décalée, je suis pas partie droite du coup, je suis pas très droite. Bon, c'est pas grave parce que ça ne se verra pas quand on aura collé les pochettes, mais c'est quand même bof. Voilà, on laisse ça sécher, je vais la mettre sous presse et j'arrive. Alors maintenant, on va passer à la préparation donc des pochettes intérieures. Donc je vous rappelle, je vais enlever donc la garniture pour que vous voyez bien comment c'était. Donc pour celui-ci, je n'avais fait que donc deux pochettes. Et ici, j'avais collé un post-it. Donc là, on va faire un petit peu différemment. On va faire quatre pochettes, pardon, deux de chaque côté. Alors ce qui est important, quelles que soient vos dimensions, c'est que vos pochettes... Voilà, moi je les ai fait un petit peu plus petites. Hein. Je vous rappelle que ma tranche, elle fait 5 en extérieur. Par contre, elle ne fait que 4,5 en intérieur puisqu'il y a un gros pliage. Donc du coup, vous le verrez tout à l'heure, je suis partie au départ sur une tranche de 5. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'à l'intérieur, c'était 4,5. Donc pour celui qu'on va faire, j'ai évidemment prévu des dimensions un petit peu plus ajustées à ma tranche de 4,5. Donc ce qui est important, bon là j'avais une marge puisque je voulais au départ laisser la place à des stylos. Donc n'oubliez pas que quand vous allez refermer votre ensemble, il ne faut pas que les boîtes vous empêchent d'être plus loin que votre tranche en fait, hein, pour que ce soit joli. Donc on va faire donc ces 4 pochettes. J'ai déjà anticipé. Alors je vais vous montrer comment on fait. Hein. Donc ça c'est voilà en gros le schéma d'une pochette. Voilà, pour vous montrer le montage. Donc, on y va. Alors, hop, mes pochettes. Attendez, je vais sortir tout ce qui ne va pas m'être utile tout de suite. Donc, pour les pochettes, alors, que je reprenne mes dimensions quand même. Donc mes pochettes, les dimensions exactes. Donc j'ai fait deux pochettes, deux grandes comme celle-ci et donc deux petites. Et en fait ça viendra comme cela sur le montage de notre album. Donc la plus grande pochette fait 12,5 par 9. Par 1,5. Alors, c'est là où je vous ai dit que j'ai rectifié. J'ai pas fait 1,5, j'ai fait 1,3. Ici. Mais là, encore une fois, c'est à vous de voir au niveau des dimensions. Donc, 12,5, 9 en hauteur, 1,3. Et la petite fait donc 4,5 de haut, 12,5 toujours de large et à peine 1 cm ici. Pour venir donc avoir mes 2,2, puisque j'ai 4,5, donc ça fait à peu près 2,2 pour de chaque côté. Donc, ce
qui est très important, c'est qu'en fait, votre pochette doit avoir une longueur beaucoup plus importante. Donc, en fait, pour une pochette, donc, je vous rappelle, qui normalement donne 9 cm, il va falloir qu'elle soit de 11,5 cm par 17,5 cm, parce que c'est ce qui va nous donner, en fait, notre profondeur. Donc, concrètement, je vais faire un pli, donc, de 1 cm, puis de 1,3 cm. Même chose de l'autre côté, donc de 1 cm, puis enfin de 1 cm, oui c'est ça, puis de 1,3 cm. Même chose en bas, 1 cm, puis 1,3 cm. Alors à quoi ça correspond? Eh bien en fait c'est simple. Le 1 cm, le premier 1 cm, c'est cette patte-là qui va nous permettre de coller sur l'album. Ensuite, le 1 cm ou le 1,5 cm en l'occurrence, enfin 1,3 pour celui-ci, c'est cette partie-là, donc qui va faire notre épaisseur. Et bien sûr, le reste des dimensions correspond à notre pochette avant. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites vos propres pochettes à vos propres dimensions, vous prenez évidemment la largeur et la hauteur de base, et ensuite vous rajoutez de chaque côté la dimension de votre patte de fixation et l'épaisseur. Voilà. Et vous mettez ça donc bout à bout pour avoir votre dimension globale. Et vous n'oubliez pas de faire la même chose pour le bas, sinon vous ne pourrez pas coller. Alors, la première fois que j'ai fait moi mon petit gabarit, donc j'avais bien ici mes 1,5, j'avais bien ici mes 1,5, j'avais fait mes deux petites pattes de fixation ici, mais j'en avais pas fait en bas. Et franchement, elle est nécessaire parce que sinon, vous allez, alors quand c'est bien collé, il n'y a pas de souci, c'est en appui, mais il y a toujours une petite délimitation et franchement, c'est moche. Donc, comptabilisez bien cette patte aussi arrière, ce sera beaucoup plus joli pour que ça fasse ceci. Donc j'ai déjà anticipé, mais je vais vous rappeler donc ce qu'il faut faire. Donc sur votre morceau, vous allez évidemment faire des plis des trois côtés. Donc je vous rappelle, on va commencer au premier côté. Donc moi pour ça, je prends évidemment mon Stampin' Up. Donc on fait un premier pli à 1 cm. Donc je me cale à 1 cm. Je fais mon pli. Ensuite, j'en ai un autre d'1,3 cm, donc ce qui va me faire, pardon, 2,3 cm. Je refais mon pli. Je fais carrément le côté opposé avec les mêmes dimensions. Donc d'abord 1 cm, puis 1,3 cm. Voilà. Et donc, je tourne d'un quart de tour et je refais la même chose. Donc on fait toujours 1 cm et 1,3 cm. Voilà. Donc je ne vous montre pas pour la petite. Hein, c'est déjà, j'ai déjà commencé à faire les plis. Ça va me faire gagner du temps. Donc maintenant, on plie tout ça. Et on va passer. Oups, j'ai mal plié là. Voilà. Hop. Même chose. Alors moi, c'est pas évident parce que du coup, comme j'ai rectifié un cours de route, j'ai un deuxième petit pli. Donc voilà, ça y est, on a plié. Alors maintenant, on va passer à la découpe. Alors ça va pas être simple de vous montrer en caméra. Donc ce qui nous fait ici en fait, voilà, vous le voyez, donc cet angle ici, en fait sur cet angle je ne vais garder que cette petite patte. Donc quand vous le verrez, vous ferez votre pliage, vous aurez, ça vous fera 4 carrés puisque les plis se croisent ici, donc vous aurez 1, 2, 3, 4 carrés. En fait on ne va garder que le carré de l'angle intérieur ici. Hop. Donc alors moi ce que j'aime bien, c'est couper légèrement en biseau. Donc je coupe une première fois en biseau, puis un tout petit peu, hop, ici, ensuite ici je coupe, alors là je ne coupe que sur une case en biseau, ici, là, ici je recoupe sur deux cases en biseau, voilà, et il me reste que cette toute petite pour garder ici. Ah, oh, bah je suis hors champ, mince, zut. Alors je recommence. Donc je vais recommencer là parce que là du coup
Du coup, j'étais hors champ. Donc, je vous rappelle, hein, mes 4 carrés, je ne vais laisser que celui-ci. Donc ici, déjà, je coupe un tout petit peu en biseau jusqu'à mon petit carré. Idem ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je n'enlève que cette partie-là. Ensuite, de ce sens-là, je vais couper également en biseau un petit peu. Voilà. Toc, ici. Voilà, ici. Et du coup, il ne me reste que ça. Et ça, je coupe ce petit morceau. Voilà. Donc, en fait, voilà comment ça se présente. Et ici, bon, j'ai pas coupé la pâte dans le bon sens, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'elle vienne coller. C'est pas grave. OK? Alors, on y va maintenant. Au niveau collage. Donc, hop. Alors, je vais coller donc ma pâte à l'intérieur ici. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai fait des pâtes à l'envers. Enfin bon, c'est pas gênant, de toute façon, le résultat est le même. Non, je me trompe de... Ah bah si, c'est ça, maintenant, du coup, attends, je vais prendre ça. Ce sera mieux, hop. Voilà, on colle la petite pâte et ensuite on vient remettre un petit peu de colle ici pour faire notre angle. Alors, mes pinces... Je maintiens la pâte ici. Je fais la même chose. Je mets un petit point de colle ici. Hop. Et voilà. Donc, notre pochette. Et on va passer à la suivante. Donc, je plie. Encore une fois, donc je coupe. Donc le premier en biseau, je suis dedans, devant ou pas? Oui, hop, voilà. Ici, légèrement en biseau. Toc. Et notre petite patte ici. Alors, on va essayer de faire dans le même sens de ce côté-là. Donc, je coupe en biseau. Hop. Toc, ici, toc, et ici, et j'ai bien mes deux petits morceaux. Donc, c'est pareil, on passe au collage. Voilà, et je viens coller un petit peu ici. Le temps de laisser sécher, je mets une petite pince. Alors, assurez-vous quand même que la boîte soit bien faite, hein, que ce soit bien avec un bon angle. Un peu de colle ici, un peu de colle ici. La pâte à l'intérieur, hop. Parce que si votre pochette n'est pas droite, ça ne va pas être très joli non plus. Hein. Comme vous avez coupé en biseau, faites surtout attention que ce soit bien droit. Là, j'ai pas fait attention. Est-ce que c'est bien droit? Ouais, justement, c'était pas super droit. Voilà, impeccable. On laisse sécher, pardon. Et ensuite, on va venir donc coller ça sur notre couverture. Alors, la couverture, donc, elle est bien sèche. C'est nickel. Alors, je vais prendre les pochettes qui sont déjà sèches. Voilà, ici et ici. Et donc, on va commencer à coller la première, donc ici. Et la seconde viendra par-dessus, en bas. Voilà, ce qui nous permettra d'avoir deux rangements à ce niveau-là. Donc, je prends cette colle. Alors là, c'est pareil. Hein, cette étape-là, il va bien falloir laisser sécher. C'est très important. Mais pendant que ça séchera, on s'occupera de la décoration. Alors, n'oubliez pas aussi, très important, de ne pas coller trop au bord ici.
de manière à ce que quand votre reliure, si je mets la main devant, ça ne va pas aller, quand votre reliure va se refermer, que ça ne bouge pas la boîte. Hein, donc ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai pris des mesures de 12,5. Hein, je vous rappelle qu'ici, j'avais 13 cm hein, sur chaque pan. Donc ce qui me laisse 0,5, hein, donc ce qui me fait à peu près 0,2, 0,3 de chaque côté, et ce qui me laisse suffisamment de marge pour ne pas avoir à venir buter donc sur ma reliure quand elle se ferme. Alors, on va donc vous positionnez bien, vous collez, vous ne bougez plus ensuite. Je vérifie que ce soit bien droit. Super. On colle celle du dessus. Et la même chose, on veille à ce que ce soit bien, bien, bien en place, qu'il n'y ait pas de décalage. Alors, parce que si les boîtes sont décalées, ça ne va pas faire joli. Donc, c'est pas facile à coller, hein, puisque du coup, je ne peux pas vraiment appuyer. Cela étant, je vais juste mettre quand même un poids le temps que ça sèche. Hop. Voilà, je laisse ça quelques secondes et on se retrouve. Alors, hop, ça y est, c'est sec. On passe donc aux autres pochettes qui, elles aussi, sont sèches. Donc, hop. Alors, hop là, voilà. On redresse. Je ne suis pas à la même taille. Hop, on descend un petit peu. Vous voyez, c'est important de bien vérifier hein, quand même. Hein. Par contre, je vais avoir un petit problème. Vous voyez, ce que je vous disais de ne pas faire, moi, je vais avoir un petit souci. Non, ça va. Non, ça va. Mais vous voyez, quand les boîtes hein, vont être mises, ce que ça donne, on est vraiment pile poil. Hein, donc, il ne faut pas que ce soit plus large pour pas que les boîtes, quand vous allez fermer, viennent s'écraser. Hein, c'est important. Hein. Voilà. Hop. Alors, je mets la dernière. Alors, encore une fois, on vérifie que ce soit bien en face. Que ce soit bien en face et bien droit. Voilà. Là, je suis OK. Alors, puisque c'est bien mis comme ça, je vais... Ah, là, attends, je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais mettre un poids directement fermé. Hop! Voilà, ça repart au séchage. Alors, on va finir en attendant. Donc, encore une fois, je vous ai dit, hein, j'ai un petit peu anticipé ce que j'allais mettre. D'une part, j'ai préparé déjà des rubans. Donc, je vais mettre ce ruban. Voilà, tout vient d'Action. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ce qu'il y a en papier, en tout ça, en ruban, tous les accessoires que je vais mettre à l'intérieur, tout vient d'Action. Mais bien sûr, si vous avez d'autres choses, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi, j'ai assorti, j'ai pas fait exprès, c'est parce que c'est vrai que j'ai, comme tout le monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de chez Action et que j'ai décidé maintenant de m'en servir au maximum. Alors, j'ai également anticipé la décoration. Donc, ça, c'est ce qu'on mettra sur la face avant et ça, la face arrière. Donc, c'est ce qui viendra également tenir nos rubans. Mais ça, on va y revenir quand ce sera sec. Alors, à l'intérieur, donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, j'ai préparé des cartes. Donc, cartes et enveloppes, comme pour l'autre.
Voilà, de deux teintes, parce qu'en fait, je n'ai plus grand-chose dans ma réserve. Et puis, je pense que je ne vais pas aller chez Action tout de suite, même si aujourd'hui on est déconfiné. Je vous avoue que ce n'est pas ma priorité. Je préfère encore faire très attention. Et puis, donc, bon, il faudra que j'aille parce que j'ai plus de colle, il y a plein de choses qui me manquent. Mais en attendant, voilà. Donc, j'ai privilégié ces deux couleurs. Il sera toujours le temps pour moi de changer, bien sûr, puisque je ne vais pas les offrir tout de suite. Donc, des cartes. Et des enveloppes. Si toutefois il me reste du papier, peut-être que je les décorerai. Mais bon, en tout cas, dans un premier temps, ceci. Donc ça va aller côté gauche. Ensuite, alors ça, ce sont les chutes. C'est tout ce qui me reste. Donc je ferai certainement quelque chose avec ça. Alors, pour l'instant, je vais les laisser là. J'ai pris donc où est-ce que j'ai mis j'ai pris de ces albums-là. Hop. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà, de ces deux lots de sticky notes, j'en ai prélevé un ici et un ici, donc celui en forme de fleur. Et donc voilà, celui qui manque ici, en fait, c'est celui que j'ai mis dans le premier. Donc en fait, j'en ai fait des petits cahiers avec donc les chutes, un petit cahier qui se ferme avec un. D'ailleurs, il tient pas du tout, hein. Il tient pas bien. Ah, voilà, un petit morceau de velcro ici. Et donc, voilà, ici, on a des post-it. Donc, j'ai fait un petit premier livret ici. Le deuxième, donc, il était en forme de fleur. Donc, c'est la même chose. J'ai fait un emballage en forme de fleur. Voilà, ici. Donc, ça va être pour le côté droit. Le côté droit, je vais également rajouter ces trois cahiers. Alors, pour l'instant, ils sont neutres. Donc, ce sont également des cahiers de chez Action. C'est pas exclu que je les décore, hein, je verrai tout à l'heure. Donc ça va être côté droit pour aller avec ça, pardon. Et pour aller avec les cartes, donc de l'autre côté, donc côté gauche, on va faire une petite pochette. On va commencer à la faire ensemble. Alors cette pochette, j'ai prévu donc deux morceaux. Je vais vous donner les dimensions. Hop, ma règle ici. Donc, ça fait 10,2 par 1. Alors, c'est des dimensions un peu bâtardes. 7,5, c'est parce que je pense que j'ai fait avec ce qui me restait en papier. Voilà, donc deux morceaux comme ceci. On a un troisième morceau qui fait la même dimension de mémoire. C'est ça. Mais là, j'ai fait un pli à 1,6, puis à 0,7. Voilà, donc ça me laisse 5 cm de. Comment dirais-je, de rabat de fermeture. En fait, ça se présente comme ça. Ça que je vais venir coller, cette patte-là que je vais venir coller derrière. Ici, c'est l'épaisseur de mon enveloppe. Et ici, devant, c'est mon rabat. Et comme je voulais que ce soit une enveloppe à soufflet, j'ai pris donc 2 cm sur 7 cm, je crois. Donc sur 7,5, hein, la hauteur de mon 7,4, la hauteur de mon enveloppe. Et j'ai pris donc 2 cm ici. J'ai fait des plis tous les 0,5. C'est ce qui va me. Donc, et ensuite j'ai plié. C'est ce qui va me permettre d'avoir mon soufflet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le soufflet ici pour l'enveloppe. Donc en gros, mon soufflet, il est au centre. Et ces deux pattes. Ici et là, c'est ce qui va venir coller donc sur l'enveloppe. Alors, on y va. Alors, attendez, je retourne ça dans mon sens à moi pour pas faire de boulettes. Donc, ça va être comme ça. Ok. Alors là, c'est pareil, hein, les soufflets, il faut coller ça bien droit. Donc, le soufflet doit être à l'intérieur. Voilà, je positionne. J'aurais dû positionner l'autre aussi tant que j'y étais. Hop. Je vais mettre deux petites pinces pour que ça sèche. Comme je suis une vraie banane, j'avais déjà commencé à coller l'autre côté, mais c'est pas grave, je vais enlever la colle. Voilà, pour que ce soit collé bien.
bien nos bords. Voilà, hop. Alors attention, ça va être comme ça. Donc, je vais coller ici. Ouais, je la ferai après parce que sinon ça va être... Voilà, je pense que là c'est bon. Donc je viens replier ça. Et on va coller l'autre morceau par-dessus. C'est pareil, on fait gaffe au centre. Ah bah, de toute façon, au sens. Hop, alors. Je positionne. Je mets des pinces. Hop, même chose de l'autre côté. Voilà, on laisse le temps, on laisse sécher quelques secondes. Et pendant ce temps-là, on va reprendre notre couverture qui, normalement, doit être sèche. Donc voilà, nos poches sont collées. Alors, on va faire la décoration donc, de la face avant. Donc sur la face avant, j'ai dit que je mettais ceci ici. Et que je n'oublie pas le ruban. Alors, donc je vais juste faire une petite marque. Zut, mon crayon est là. En fait, je fais une marque au centre. Donc ça, ça va aller ici. Je pense que je vais laisser comme l'autre 4 cm. Oui, ça va le faire. Donc 4 cm ici. Impeccable. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, en fait, je marque simplement le centre. Et une fois que j'ai mon centre, je mets 4 cm. Alors ensuite on se plante pas dans le sens du collage des rubans parce que moi j'ai des petits cœurs, je sais pas si vous voyez ici, voilà des petits cœurs, donc il faut qu'ils soient vraiment mis dans le bon sens. Au préalable j'ai comment dirais-je brûlé tous les bords, hein. Hop, un petit peu de colle. Voilà, et ensuite je viens coller ceci. Voilà, et on va faire l'arrière. Même chose, on veille à ce que le ruban soit à l'endroit. Pour ça, quand on fait des marques, hein, au préalable, c'est bien aussi. Voilà. Donc, ma déco arrière, en fait, c'est tout simple. Ça va venir ici. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Parce qu'évidemment, il faut bien que le ruban soit collé, sinon... Hop, alors voilà, on va commencer à garnir donc l'intérieur. Donc comme je vous disais, je vais vous le retourner dans ce sens-là pour que vous voyez un petit peu. Là, je vais glisser donc mes 3 cahiers.
Ouais, alors j'en mettrai peut-être que deux parce que c'est vrai qu'au passage j'ai changé la taille d'épaisseur de mes pochettes et du coup je suis un petit peu ouais, je suis un peu juste, d'autant que là elle est mal collée, elle est en train de se décoller. Donc ça c'est moyen. Alors je vais juste remettre un petit point de colle. Ça c'est ballot. Voilà. Impeccable. Donc ici, donc je vais en mettre que deux pour l'instant, mais vous aurez compris quand ce sera collé, je mettrai peut-être le troisième. Voilà, ici. Ici, dans l'autre poche, donc on va y mettre nos cartes. Alors peut-être que je le décorerai après, mais en tout cas, je ferai ça hors caméra. Voilà. Ensuite, mes petits post-it qui sont ici. Alors, un premier et un second. Voilà, ça rentre pile poil. Oui, ou on peut les mettre ici aussi, hein, peu importe. Et on va finir avec la pochette. Alors qu'on ouvre dans le bon sens, donc c'est ici et c'est ici, impeccable. Donc ici, pour fermer l'enveloppe, eh bien, je viens juste en faire un petit point de colle sur le bas, parce que je n'ai pas voulu faire de soufflet. Donc je vais juste fermer sur le bas. Mes petites épingles. Voilà, et on va coller donc sur le haut ici. Donc notre pâte. Alors, il faut bien que je laisse la marge, impeccable. Alors dans cette pochette, j'y glisserai des trombones, des stickers, enfin des petites choses qui viendront agrémenter nos cahiers. Alors juste que je vérifie que ça se ferme correctement. Ouais, là on est bien. Super. Voilà, et j'ai dû préparer. Alors j'espère que je vais le retrouver. Parce que c'était un tout petit morceau, oui. C'est un demi velcro en fait. Hein. Ce sont des velcros ronds. Et j'en ai coupé donc un demi. Et je vais coller ça. Ouais, d'ailleurs, je ne devrais pas coller ce sens-là. Je vais d'abord coller l'autre au centre. Voilà. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, notre petit rabat. Notre enveloppe. Voilà. Alors, qui n'est pas énorme, mais qui reste quand même assez sympathique pour mettre quelques trombones et quelques bricoles. Hop. Et voici donc notre pochette que l'on rajoute ici. Voilà. Alors, on aurait pu éventuellement mettre un petit stylo, mais vous voyez, il ne nous reste pas beaucoup d'espace entre les deux. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, voilà notre support ici et à l'arrière. Alors, bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça, mais vous pouvez très bien mettre d'autres choses. Donc, libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez y mettre. Et bien voilà, je trouve que ça fait un petit cadeau sympa pour un anniversaire ou pour la fête des mères qui approche à grands pas. Donc, voilà, si vous voulez faire plaisir à vos mamans. Et ce que j'aime, eh bien, c'est que ça tient.
de bout. Donc on peut aussi rajouter ici un petit bijou ou un support avec une étiquette, enfin bon, peu importe, quelque chose pour agrémenter un petit peu plus. Et puis surtout, vous allez pouvoir, enfin la personne qui l'aura sur son bureau, donc pourra le tenir. Je ne sais pas si je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà. Pourra le laisser donc debout sur son bureau et prélever ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye !